Un rôle peut parfois avoir des conséquences difficiles à vivre pour un acteur. Si est ce qu'a vécu Tom Holland sur le tournage de The Crowded Room, sa série disponible sur Apple Television Plus dès ce vendredi 9 juin. L'acteur a dévoilé faire une pause après un tournage éprouvant. Il semble traumatisé. Le tournage de la série The Crowded Room, qui sort sur Apple Television Plus, n'a pas laissé Tom Holland indemne. C'était une période difficile, si est certain, a déclaré l'acteur dans une interview à Extra. Nous explorions certaines émotions que je n'avais jamais éprouvées auparavant. Et en plus de cela, le fait d'être producteur, de gérer les problèmes quotidiens qui se posent sur un plateau de tournage, a ajouté un niveau de pression supplémentaire, estime le compagnon de Zendaya. S'il dit avoir adoré l'apprentissage du métier de producteur, le fait de devoir jongler avec deux rôles dans une même production tout en interprétant un personnage souffrant d'une grave maladie mentale l'a profondément éprouvé. Le travail acharné n'est pas une nouveauté pour moi, a souligné Tom Holland. Un an de pause nécessaire pour Tom Holland mais la série m'a aussi brisé. À un moment donné, j'ai eu besoin d'une pause et de disparaître. Je suis allé au Mexique pendant une semaine, j'ai pris du bon temps sur une plage et j'ai fait profil bas, ajoute l'acteur, qui a donc pris une grande décision, je prends maintenant une année sabbatique, et si est-il le résultat de la difficulté de mon travail sur cette série. Je suis impatient de voir ce que cela va donner. J'ai l'impression que notre dur labeur n'a pas été vain. Un rôle complexe dans The Crowded Room. Dans The Crowded Room, Tom Holland joue le rôle de Danny Sullivan, qui est arrêté à l'été 1979 en raison de son implication dans une fusillade au Rockefeller Center. La série est basée sur les crimes réels de Billy Milligan, à qui on a fini par diagnostiquer un trouble dissociatif de l'identité. Un rôle complexe qui a été instructif pour sa propre vie, avait récemment déclaré l'acteur auprès d'Entertainment Weekly. Je me souviens d'avoir connu une crise à la maison et de m'être dit, je vais me raser la tête. Il faut que je me rase la tête parce qu'il faut que je me débarrasse de ce personnage. Et, évidemment, nous étions en plein tournage donc j'ai décidé de ne pas le faire. C'était différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Article écrit en collaboration avec 6 médias. The man I love just